Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Awakening. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons reprendre notre combat là où nous l'avions arrêté dans le précédent épisode. LOL, ou presque en tout cas, après avoir fait une sauvegarde. Alors, tchac. En réalité, est-ce que ce mur va s'ouvrir? Est-ce qu'il vaut mieux pas que j'aille m'y préparer? Plutôt que d'essayer de passer par là. Est-ce qu'on se ferait pas cela d'abord? Non, ces murs-là risquent de s'ouvrir. En vrai, je sais pas la strat. Mais je crois que si, hein. Je crois que c'est ça la strat. Je vais laisser Donnel et Lucina derrière. Parce que eux, ils vont nous embêter. À moins qu'au contraire... Ah merde, j'ai pas esquivé les deux. Flûte. Trop mignon le dragon rouge là. Mais j'ai pas échangé les deux. Non. J'ai fait de la mouise. Ok, ça, ça pique un poil. Non, ça va. Je reboom. Je reboom. Tarja? Non. Vous êtes pas assez proches l'une de l'autre. Fallait que j'inverse les deux là. Merde. J'ai fait de la merde. Permuter. Attendre. Ok. Si j'attends. Non, ça ne s'ouvre pas. Ah, c'est des saligots. Kalinfan, il prend cher là. Je veux juste savoir parce que. Je suis pas sûr que ce soit une bonne strat. Ok, elle reprend 6 là. Niveau B, ok, ça c'est pas mal. Ok, non, ça ne sert à rien. D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Alors je vais juste me mettre là, je vais permuter les deux, comme ça je peux utiliser mon bâton, je peux remédier, je peux soigner le neveu. Gagner de l'XP, un niveau, c'est pas mal. Je vais quand même laisser là. Bon du coup je vais faire descendre Wayne. Chrome et Darren, je vous aurais bien laissé là quand même. Est-ce que vous voulez que j'envoie Tiki et Tarja ici? Ou au contraire qu'on reste en bloc et qu'on passe par là? Je crois qu'il vaut mieux qu'on reste en bloc. Et que l'on passe tous par là. Hein. Ça me paraît mieux. L'attaque au Wayne, mais lui va tout esquiver parce qu'il est trop fort. Évidemment. Là c'est l'infant, il va tout se prendre dans la gueule parce qu'il est trop nul. Non, ça va. Ok. Alors toi, je te mets là. A priori, tu nous attaques pas. Hein. Toi, t'as pas de porte, t'as pas la portée. Ah, si, t'as la portée. Ah, bah si, parce que tu peux passer là. Évidemment. Ce n'est point grave. Toi, tu recules. En vrai, je vais te laisser là. Toi, je vais aller là. Ah, attendez. Bon, allez, sinon, si je vais aller là. Je vais donner la clé de porte à Donnel. On va permuter, on va objet, on va échange. Je vais prendre ta clé de porte, mon bon fils. Et on va attendre. Toi, tu es avec ta fille. En vrai, je pense que tu t'en sortiras très très bien. Lucina, je veux te laisser en arrière avec toi. Mais je vais plutôt te mettre toi ici parce que tu me parais un peu fragile. Et je vais plutôt faire ça. Et est-ce que j'ai un breuvage? J'ai un breuvage, donc on va l'utiliser. Comme ça, on se récupère nos PV. Et Lucina, je vais te laisser là. Comme ça, si la porte, elle s'ouvre. C'est très mieux. Tu m'esquives ça. Voilà, c'est bien. C'est bien l'enfant. Pourquoi tu te déplaces pas, toi? Ah, tu fais la fange aussi. Ok. Deux secondes, j'ai cru qu'il allait se prendre les dégâts parce que... 19 à 9%, j'aurais bien les boules. Du coup, t'as l'arc, toi. Tu lui fais 10 dégâts. Trop bien. Vous imaginez, il y a meurtrier qui se déclenche, là. Le scandale. Ça aurait été incroyable. N'empêche. Ça aurait été la folie. Une dinguerie. On va le taper avec, avec la cuirassade. Hein. Non, la cuirassade. On lui fait que 50, malheureusement.
Bon, c'est pas mal en vrai. Cynthia, tu vas bien lui mettre les deux petits 3 dégâts qui manquent. Non? Non. Eh bien non. D'accord. Va pour un non alors. Est-ce que noir, je peux. Si je permute, tu lui mets les deux dégâts qui manquent. Ah mais t'as vraiment tous les arcs du monde, toi. Arc Volt. Ah vas-y, mets-lui les deux dégâts. Mets-lui les deux dégâts. Je veux que tu gagnes l'XP noir. Piou. Voilà, c'est bien ça. Un niveau entier. 4 points de technique. Paf, clé de porte. On voit la clé de porte au convoi. Donnel. Je peux te mettre là, c'est très bien. Toi, je vais aller là avec ta fille. Hop. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Un arc d'équité. On a trouvé le même arc. Incroyable. Et vous, je vous laisse là. Non, le mur de derrière ne s'ouvrira pas. Quoi? Oh, c'est honteux. Si ça touche, ok. J'ai eu peur. Franchement, le 24 dégâts, là, noir, j'aurais crié. Hein. Eh bé alors, Donnel. Comment ça? Tu prends 8 dégâts. Je me disais, tu prends les 12, là. C'est grâce à Lisa, en plus. Hein. Ah, là Donnel, tu contre-attaques. Donnel contre-attaque. Avec 2 points d'exclamation, contre-attaque. Solaire, voilà, il a pris des dégâts. Il se soigne. C'est bien ça. Ah bah, 2 fois. Donnel, il n'en a plus rien à faire. Tu m'as fait des dégâts? Non! Je ne me permettrai pas. Et c'est un full stat, encore une fois. Comment son niveau à la maîtrise, sa maîtrise à la hache a augmenté alors qu'il n'a pas de hache? C'est une hache, la cuirassade? La cuirassade? Non, c'est une épée. Comment son niveau à la hache a augmenté? Ah non, c'est Lisa qui a augmenté son niveau à la hache. Ok, my bad. Alors attendez, on va faire ça, on va permuter les deux. Ça, je peux ouvrir le coffre. Ta-da-da! Restitution. J'envoie ça au convoi. Attaquer, je te mets pas tant que ça. Et avec tous les autres arcs. Non, je te mets vraiment rien. Si je permute et que je t'attaque, je te mets que 50 malheureusement. C'est bien 50, hein, mais c'est pas assez. Non, ça c'est encore plus nul. Ok, et si j'y vais à l'épée? Et si j'y vais à l'épée, tu ne me contre-attaques pas déjà, donc c'est vachement mieux. Et si j'y vais avec le fer létal en plus, je peux potentiellement t'éclater la gueule en un coup. Oh là là, ignition, regardez-moi ça. Boum! Parfait. En mode duel. Oh là là, mais il s'arrête plus. Ignition plus critique, l'infant ne s'arrête plus. Il les a cassés la gueule. Enfin, cassé en deux, parce qu'il les a cassés la gueule, ça ne veut rien dire. Est-ce que Donnel, tu peux aller là-bas? Non, malheureusement, tu ne peux point. Tu n'es pas assez rapide. Par contre, tu peux ouvrir la porte. Parfait. Lucina, tu ne peux rien faire. Chrome. 24. Et Darren, tu fais quelque chose? 24. Ouais. T'as une cuirassade. Ouais, mais c'est pas énorme. Hein. Ça fait moins de dégâts que Feu du Ciel, donc c'est pas intéressant. Est-ce que vaut mieux, par contre, que j'envoie... Que je permute, que j'utilise Darren pour faire 24. Il y a 82% que Chrome, il attaque. Il y a 83% que Darren, elle attaque. Il y a la 28 de critique. Non, vaut mieux faire ça, je crois. Darren, elle attaque forcément.
Il y a deux fois 83%. Bon, bah c'est le critique. Donc non, elle n'attaque pas forcément puisqu'il meurt, le machin. Ok. Très bien. Bien joué, Chrome. Niveau 19. Je crois qu'en réalité, nous avons le niveau de faire cette bataille. Hein. Hop, je te mets là. Toi, j'ai plus besoin de t'activer. C'est plutôt toi qui nous embête. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres dés comme ça? Oui, il y en a. Ils sont relous. Lui en particulier. Ok. On va faire ça. Là, ça s'ouvre, là, ça s'ouvre. Ça s'ouvre partout. D'accord. Ils veulent que les ennemis nous tombent dessus, hein. Ok, bien esquivé, l'enfant. Linfan. Je sais jamais comment en prononcer. Vous prononcez comment, vous? Est-ce que vous prononcez Linfan? Est-ce que vous prononcez Linfan? Est-ce que vous prononcez l'infant? Et je vois pas trop d'autres façons de le dire. Solaire plus critique, Lucina. Mais tu te mets bien. Incroyable. Dommage que tu l'aies fait après le 27. 16. Un petit solaire, ce serait pas mal. Hein. Tu messives ça et là tu le fais un petit. Voilà, parfait. Parfait, 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 parfait. Boum. Là il y a un critique. Ah, dommage. Les deux à la fois, ça aurait été bien. Par contre, ils sont nombreux. Ils vont les attaquer. Ils sont 5 à attaquer. Lucina, j'ai un peu peur là. Draco PR+. Il n'y a aucune différence au niveau du. Na qui vient protéger sa maman. Au niveau du dragon, j'ai pas l'impression en tout cas. Faut esquiver là. Non, bah faut faire un éther là. Aïe. Aïe Lucina. Aïe aïe aïe. Ouais, mais là j'ai mal là. À moins qu'il soit pas assez rapide. Ils ont peut-être pas la distance de déplacement. Ok, nice. Nice, non pas à distance de déplacement. Ok, c'était chaud. On va faire une émulation, on va sauvegarder ta dans l'emplacement le plus ancien. Ça me paraît être ok. Ça me fait un peu chier de perdre deux tours pour aller récupérer ça. En plus, c'est pas des trucs très utiles. Ils sont où les ennemis là? Ah ouais, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux quand même. Je vais laisser Donnel en front. J'aimerais quand même aider ma fille. Dis-le papa. Et la maman. Ça part sur un critique. C'est parfait. Ok. Moi je veux protéger ma sœur. Dit l'enfant. Ou l'infan. Bref. Ouais, par contre, ça va être chaud. Est-ce que je mettrais pas plutôt un petit permutage, attaquer? Ah non. Non, 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 je fais pas plutôt, non. Je fais rien de tout ça. Tu tabasses, mais tu fais rien, quoi. Je sais pas comment je pourrais la soigner. Un peu le souci, alors que je vais me mettre là peut-être. Hein. Ouais, je vais juste me mettre là et je vais faire un petit objet. J'ai rien. Aïe. Ou alors je me mets là. Je fais convoi. Je vais me chercher un petit breuvage. Non, j'ai pas de. Ah, c'est une blague. J'ai pas de boisson là. J'ai une potion qui me rend 10 PV quoi. Un breuvage qui me rend 20 PV. C'est nul. J'ai pas de vrai truc. Et un échange. Ah bah si, voilà, il y a un élixir. Voilà, hop. Objet. Mium. Là on se met bien. 25. Et là
0. Petit fer létal, paf paf. Allez. Casse-moi ça là. Nice. Le critique qui est passé. La vie de sa sœur qui est en jeu là quand même. Hein. Bon, et lui il devrait pas trop nous attaquer. Ah, ravage aussi ça tape. Merde. Et les critiques et tout. Ça, ça peut piquer ça. Antitome. Rajoute 50% de dégâts. Ok, il n'y a pas reçu de dégâts. Ouais, mais ça peut piquer ça. Donnel. Donnel, il faut taper. Hein. Donc Donnel, on tape. Solaire, c'est très bien. Mais aucune surprise. Bon, Lysia n'a pas tapé. La question, c'est est-ce que toi, tu résistes à lui? Ouais, tu lui résistes largement. Et tu lui résistes lui également. Ah merde. Yana qui attaque. Vaut mieux faire la Draco au pire plus du coup. Pour le coup. Boum. Non, elle n'attaque pas, Na. Dommage. J'ai bien aimé que t'attaques, Na. Bon, du coup, on va utiliser Tiki. Pour faire les 12 qui manquent. Ça devrait le faire. Hop, parfait. Pour un dragon divin, je la trouve pas particulièrement forte, mais... pas naze non plus. Ça, c'est chiant qu'il attaque l'enfant. Ça serait malvenu que tu prennes les dégâts. Oh, il prend les dégâts, quoi. À 19%, pile quant à l'autre qui va attaquer. J'aime pas ce qui est en train de se passer, là. Tiki, tu prends 6. Mais il y a 36 de critique, quand même. Ah, merde. Ça fait 12. Ça fait 18. Ouais. Et Tarja, t'attaques pas, là? Sérieux? Ok. Ok, là, il attaque pas. Il n'attaque pas Tiki, donc ça me plaît bien. Ok, Na, elle attaque, ça c'est pas mal. Personne n'attaque Donnel, hein, vous remarquerez. Désolation, ça fait quoi? Ça attaque deux fois, je crois, hein, c'est ça. Je peux pas cliquer dessus, mais je crois que c'est ça. Hein. Boum. Et boum. Merde. Ok, 17, ça va, y a pas de critique. Oh, Tarja! Protège le dragon divin, c'est bien ça. Contre? C'était quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Mais quoi? Deux fois? C'est quoi cette arnaque? Mais quoi? Mais... excusez-moi? Ça sort d'où cette merde? Je demande une caméra, là. Oh, le dragon divin de pacotille. Dragon divin en bois, hein. Tant pis pour Tiki, j'ai envie de vous dire. Mais quand même, là. D'où elle est morte? Ça sort d'où, ça? J'ai de peur, je m'en fous. C'est quoi cette histoire là? C'est quoi cette histoire de contre? Ah bon, moi le nœud là. Les dégâts reçus d'un ennemi adjacent lui sont aussi infligés. Quoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les dégâts reçus d'un ennemi adjacent lui sont aussi infligés. T'es en train de me dire que c'est Tarja qui a attaqué et que ça a, et c'est ça qui a tué ça a tué Tiki. Ça, enfin, je comprends pas ce que ça veut dire. Les dégâts reçus d'un ennemi adjacent
comprends pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Les dégâts reçus d'un ennemi adjacent lui sont aussi infligés. Les dégâts reçus par qui? C'est quoi un ennemi adjacent? À qui? Infligé à qui? Donc là, c'est l'ombre qui parle. Donc les dégâts reçus d'un ennemi adjacent. Donc adjacent sur la case, c'est ça? Il est là, adjacent, il est là. Donc un ennemi adjacent, c'est elle. Donc les dégâts reçus d'un ennemi adjacent lui sont aussi infligés à qui? À l'ennemi? Ouais, c'est pas très clair hein, quand même. Mais c'est complètement pété par contre. Faut l'attaquer à distance. Oh non, mais... Tiki qui clame sur ça, quoi. Et je suppose que lui, il a la même. Et non, il l'a pas, évidemment. C'est le seul pecno. C'est le seul glandu qui a, une... qui a contre, quoi. Fait quoi, ça? C'est en intérieur, voilà, on s'en fout. La moitié des techniques, on s'en fout. Et la seule que je lis pas, c'est celle qui m'éclate la gueule. Et je peux rien faire, de toute façon, puisque... Contre. Machin, c'est lui qui vient m'attaquer. Lui, il a contre aussi, hein, faut faire gaffe. Bon, bah, on a perdu Tiki, tant pis, c'est que le dragon divin. On s'en fiche, complet, mais alors... Complet. Alors, toi, j'aimerais bien te buter à distance pour pas avoir à... faire quoi que ce soit. L'enfant. T'as un petit breuvage, on va faire Yumi. Toi, je vais faire permuter. Ça marche pas. Non, mais sérieux. Bon, ben, on va utiliser Chrome. On va y aller direct. Hein. La lance, ça suffit pas. L'épée en acier, rapière. C'est très bien l'épée en acier. Allez. Casse-lui la gueule. Éther. Hop. On attaque deux fois. Ça dégage. Lucina. Fais ça. Toi, Owain, on te permute. Bon, si c'est un ennemi adjacent, on est d'accord que si je me mets là, ça marche plus. Son contre, là. Tu dégages. Sinon, je comprends plus rien, moi. Ok. Bon, Tarja, va falloir utiliser Nosferatu. T'as plus Nosferatu. Ça leur a... Mais d'où j'ai plus Nosferatu, moi? C'est quoi le délire, là? Là, c'est encore le jeu qui, quand j'ai fait donner un machin, ça m'a pas mis Nosferatu. Parce qu'il s'est dit, mais c'est une bonne idée de ne pas mettre Nosferatu. Quand j'ai dit attribuer, j'aurais dû regarder. Et ça n'a pas fait. Ok, je me suis un peu lancé YOLO dans ce combat, j'avoue. Évidemment, t'attaques Tarja. Il va y avoir un critique. Voilà, 48% le critique. Au revoir, Tarja. Tu peux pas attaquer quelqu'un d'autre qui résiste à ta magie. Non, faut que t'attaques Tarja. C'est pas grave. J'accepte les pertes sur ce combat-là. Que je pourrais pas le faire sans pertes. Et là, Tarja et Tiki, ils servent à rien. Ça crève sur une magie. Bon, Lucina, faut faire quelque chose. Hein. Mais du soin, pas ignition. Non, il lui reste un PV. Littéralement un PV. C'est une blague. Et il met 11 quand même. Hein. C'est chaud, hein. Bah... Aïe. Faut qu'elle puisse attaquer d'abord. Hein. Oh là là.
Na qui protège sa maman, bien joué. Non, heureusement d'ailleurs, parce qu'elle serait morte sinon. On peut pas attaquer, enfin, attaquer entre les deux. Parce que c'est désolation. J'ai eu clé de coffre. Super utile. On va passer tant qu'il y a encore temps. Hop. Nous on est dans la merde. 24 en un coup, c'est très bien. Allez, vas-y. Boum. C'est chaud, hein. C'est chaud de fou. On va aller la soigner. On va permuter. Faire bâton. Faire remède. Prends ton soin. Miam miam. C'est bon le soin. Hop. Chrome. Non, c'est Lucina. 27 x 2, c'est létal ça. Pile poil. Mais soigne-toi. Arrête avec émission. Ouais, le problème de Soumia, c'est que elle est avec nous et elle fait pas de soins quoi. Forcément, nécessairement, puisque. On va prendre la vieille épée curative, toute pourrave. Comme ça, si on prend des dégâts, il se soignera. Hop. Tintin. Vas-y, Linfan. Il commence à gagner en niveau, lui. J'ai un peu peur pour Lucina. Non, ça va, c'est Linfan qui se prend les dégâts pour le moment. Bah ouais, il se prend les dégâts, super. Attends, à 28% à un moment, faut que ça... Qu'il se les prenne, mais... 24, ça pique un peu ça. Ok, esquive-le. Ça, je préfère. Je préfère qu'il esquive le 48 et qu'il se prenne le 28. Hein. Ok. Lucina, t'as du soin, toi, ouais. Alors, dans l'idée, hein. Je peux te taper, toi, ou pas? Une vieille épée orage qui ne marche pas. Si je tue lui d'abord. Oh, c'est quand même pas mal là. Il y a du critique, il attaque deux fois. Cynthia qui peut attaquer aussi. Voilà. Non. J'ai cru qu'elle avait attaqué. Merde. Mais vas-y, Owain, fais des... Fais des plus un partout à chaque niveau. Je t'en prie. Je vais peut-être faire ça. Juste, je soigne Lucina comme ça. Hop. C'est pas mal. On va faire une petite sauvegarde si. Hop. Je vais être là. Vaut mieux que je te fasse taper lui, je crois. Zut. Ignition. Ça dégage. 40 d'un coup. Génial. Lucina, je vais aller te faire taper lui. Comme ça, avec un peu beaucoup de chance. Pas beaucoup. Petite lance, tiens. Allez. Ça te fera monter ton niveau en lance. Je savais même pas que tu pouvais utiliser une lance. Bien joué Lucina. Comme ça Chrome il peut avancer peut-être tout droit, non? Il n'a plus à esquiver le personne. Voilà. Et du coup on t'éclate. C'est parfait ça. Éther, boum. 823. Avec un critique, c'est parfait. Hop, évidemment les murs se cassent. Les ennemis trépassent. On va sauvegarder parce que certes on a perdu deux unités, mais on avance dans la bataille. Sauvegarde d'état dans l'emplacement le plus ancien. On va s'arrêter là pour cet épisode, on se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao ciao tout le monde.